Allez, on est parti pour notre épisode 2, et cette fois-ci, Apex Tentaculaire. En avant. On aura 43 bots apparemment à sauver dans cet univers-là. Ok, allez, en avant. Clic, clic, clic. Avant de faire tout le truc caché potentiel, parce que des fois on a vu dans le premier univers, enfin la première galaxie, il y a beaucoup de choses. On va voir un peu comment ça se passe. Hop, 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 hop. Oh non! Non! Oh non! Ah non, j'étais à fond en plus sur la gauche avec la manette. Comment se fait-il? Je suis sûr que j'étais à fond. Ça m'intrigue cette histoire. Ah, attends. Alors, on sait jamais, il cache tellement de trucs dans tous les sens. Regarde ça, attends, mais les décors sont tellement riches dans tous les sens. Incroyable. Quel bonheur. Ah. Quel bonheur. Ah ah. Tiens, tiens. Trop mignon. En fait, tu les tapes pour qu'ils te rejoignent, c'est terrible. Ah, par contre, ça me frustre pour la première pièce de puzzle. Peut-être que... Attendez, je vais essayer un truc. Peut-être qu'en allant nager... Oula. Peut-être qu'en allant nager, on débloque un truc. Hein. On va aller voir. J'ai pas pensé à y aller. Oh là là, c'est tellement agréable. En fait, un jeu comme ça, ou qui, mine de rien, est censé être entre guillemets une ligne droite avec des niveaux et que t'as envie d'explorer, si, un truc là-bas, ça donne envie. Hein. Ah, je peux pouvoir y aller. Ah non, il y a du courant. Bon bah, laisse tomber. Hein. Je pense qu'il faudra que j'en revienne. Il faudra que je le refasse, à mon avis. Oh! Oh la vache! Ok, oui, oui, c'est vrai. J'en avais déjà battu des comme ça. Attends, je pouvais grimper? Ah oui, ok. C'est quoi? Ah bah c'est le singe pour grimper. Ok. Aux bananes. Oh, c'est stylé! Ah par contre c'est avec le... Ah oui d'accord. C'est avec la manette. Ok ok ok, okay. Ouais le gyroscope, moi je suis jamais très fan. Autant le reste des fonctionnalités oui, autant le gyroscope, ça a jamais été mon gros. Oh. Par contre c'est stylé ça. Ça c'est stylé. Mais du coup c'est avec la deuxième. Eh oui, ben oui, bien sûr. Et alors la première, pour l'avoir. Ouais, bien sûr. Ah
truc là-haut. Comment je peux y aller? Comment je peux aller là-haut? Ah, c'est un bot aussi. Ah bah si, ici là. Attends. Ah, excellent. Ouais, j'ai un temps par contre. Ok. Ah, attends. En vrai, je pense que c'est pour les captures d'écran. Non. En vrai, je pense que c'est ça. Je pense, à part ça, je vois rien. À mon avis, c'est juste ça. Bon, c'est déjà mignon. Hein. Ah, attends, il y a un truc là. C'est quoi ça? Ah oui, non, c'est juste les sticks de PlayStation. Après, comme ils sont capables d'avoir planqué des trucs aussi là, je pense que je vais aller regarder. C'est pour remonter. Ah oui. Tiens, regarde, tu vas, regarde. Qu'est-ce que j'en fais avec ça? Ah là! Ouais, bien joué. Le jeu est tellement joli. Honnêtement, pour l'instant, je dirais que c'est le platformer de l'année. Genre clairement. Peut-être un truc quand je les récupère toutes. Non, c'est juste des pièces. Ah, je vais checker par là quand même. Regarde. Ah, mais il se faisait des bisous derrière la falaise! Ah ouais, on est comme ça. Y'a autre chose ou pas? J'ai jamais été trop fan du Zero. Autant il y a certaines choses que je trouve ça cool, autant. Ça m'embête pour la première pièce de puzzle. Hein. Parce que je suis persuadé d'avoir été à fond avec la manette. Du coup, je me dis comment. C'est peut-être une histoire de gyroscope aussi. Du coup. Oh là là, zut! Ah oui, j'entends là. Oh, je dois me retaper les marches. Boum! Oh yeah! T'as cru que j'allais oublier ou quoi? Oh, y'a un canon. Attends. Alors attends, est-ce que... Non, le canon ça doit être pour après, je pense. Voilà. Ah non, non, c'est ça. Là, c'est la suite du niveau, je crois. Attends, je check quand même. Je crois que le canon, c'est avant. Ouais, je vais faire le canon d'abord. Ça doit être du secondaire, ça.
toujours le, tu sais, dans les jeux, tu hésites toujours à aller à droite ou à gauche. Ok, je veux faire le secondaire. Finalement, tu te retrouves à faire le principal et tu te dis zut. Ah ouais. Stylé. Ah non, tiens. Oh. Ok. On s'y fait, hein, on s'y fait assez vite. Oula, oula. Wow. Calme-toi, Bernard. Je check vraiment partout. Oh là là. Putain, les développeurs ont vraiment géré. Ah là, je vais la louper la pièce de puzzle. Ah, attends, il y a une carte. Non, là. Ah, merci. Ok. Ouais, là, il manque la première, hein, évidemment. Évidemment. C'est super sympa. Oh là. Attends, s'il me donne ça, c'est qu'il y a une raison. Ah oui, il y avait une galaxie cachée, il me disait aussi quelque part. Ça doit être par là. C'est trop simple, un truc. Attends, lâche ça. Ouais, voilà. Okay. Bon, la galaxie cachée, je l'ai pas trouvée, de toute façon. Oh la vache! Ça fait penser à Pirate, je sais pas si vous avez connu. Antoine Dupont. Ah non, Antoine Dupont. Aïe, bien joué. C'était trop bien ce jeu de société à l'époque. Pirate, fallait mettre des pics dans le pirate. Enfin... C'était aussi simple que ça. Oh, hé, hey, ça suffit maintenant! Bon, vas-y, hop, ça dégage. Allez, ramène. Oh là 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 là! Oh punaise! Je sais pas penser à sauter! Ma faute! Bon, vas-y, on y va.
Allez, je te déglingue. Ah putain, je les ai laissés là-bas. Quel idiot. Allez, je dis que ça apparaît. Boum. Mais non! Ah, j'étais trop proche. Ok, je fais attention. Oh là là, et mourir plusieurs fois là-dessus, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, 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 non. Je refuse. Ah, je suis trop loin. Pour ça. Vas-y, viens, 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 viens. Ok, on est bon. Monte. Ok. J'adore. Excellent. Alors du coup j'ai trouvé ni la galaxie cachée, ni ni la première pièce de puzzle. Oh, attends, ça doit être caché dans des endroits. Je sais pas. Où est-ce qu'ils les ont mis? Magnifique premier niveau. Magnifique. Ah si, je l'ai vu. J'ai vu un truc à gauche. Ok, ça là. Attends. Deux secondes, ça là. Ah non, c'était juste ça. Ça c'est joli ça. Ah si, il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc là, non? C'est possible. Tiens. Non, écoutez. Oh. Triangle perdu? C'est quoi ça? Oh! Oh, excellent! Oh, ça c'est un niveau plus technique ça. Ouais. Ça c'est un niveau plus technique j'ai l'impression. Oh, c'est magnifique! Ah non, pas plus technique. Parce que je sais qu'il y a des niveaux qui sont plus durs. Ah mais attends, c'est des bottes supplémentaires, incroyable. Ok. Oh là là, oui c'est ça, c'est les niveaux plus techniques, ça j'ai l'impression. En fait c'est ça, il y a des niveaux comme ça, c'est ce que je disais sur la preview. Sur la preview il y avait des moments comme ça où le jeu te mettait en avant des niveaux assez hard. En fait où t'avais besoin de vraiment te concentrer. Ça va, celui-là ça va. Attends. Celui-là ça va. Tranquille. Ça, ça va. Ok. Mais c'est vraiment trop bien parce que même les planètes cachées sont différentes par rapport aux premières galaxies aussi. Donc c'est chouette. Hein. T'as pas l'impression de refaire la même chose. Tu sais, il y a des jeux de plateforme comme ça où t'as vraiment l'impression de tout le temps faire la même truc. Là, c'est pas le cas. Allez, vas-y. Ouais, joli, ma faute. Je crois que je peux l'envoyer, non? Ou je passe tout simplement, sans m'embêter. Ouais. Après, plus je récupère de pièces, plus je suis content, moi, de toute façon. Puisque...
J'en ai besoin pour le pour les gachas. Je l'ai vu venir. Et je crois que c'était 100 pièces pour le gacha et pas 50 comme je disais dans le premier épisode. Hein. Donc en fait il en faut vraiment beaucoup. Alors, on prend notre temps, il n'y a rien qui presse. Rien ne presse. Non, sérieusement. Ah, puis tu reprends à zéro. Hein. En vrai, c'est des niveaux qui sont plus techniques, ce que j'ai. Alors, il y en a certains qui m'ont fait penser à Céleste, que j'avais fait dans la preview. De toute façon, dès qu'on tombera dessus, je vous dirai desquels il s'agit. Mais en fait, t'as pas le droit à l'erreur. Quoi. C'est vraiment genre une chance. Et sinon, tu recommences tout. Il y a des trucs un peu fourbes, tu vois. Genre ça c'est très fourbe parce que tu veux récupérer les pièces mais faut pas. Au pire je les laisse les pièces, c'est pas bien grave. Au pire, je récupère seulement les caisses et je laisse les pièces. Les caisses ça va. Parce que sinon on se fait avoir 6 fois pour la même chose. Vas-y. Oh elle est fourbe. Je pense qu'il y a des gens qui vont rager là-dessus. C'est sûr. De toute façon pour le 100% t'es obligé. Hein. Je sais pas si s'il y a plus de bots que le nécessaire dans le jeu. Parce que j'avais l'impression qu'il y en avait plus de 300. Enfin... On en avait déjà récupéré 60 sur le premier épisode. Et j'ai regardé entre temps, entre le premier épisode et le deuxième, les développeurs ont parlé de 15 à 20 heures pour faire le jeu. Sachant qu'on a mis 2 heures pour faire le premier monde. On a mis 2 heures pour faire le premier monde et on en a chopé 60. Donc en vrai, je suis assez intrigué. Je suis assez intrigué. Oh non! Oh, se planter sur la fin. Moi, je suis assez intrigué parce que 15 à 20 heures, quand même. Après, on avait dit que si on mettait 2 heures par monde et qu'il y en avait 5, on était à 10 heures à peu près. 15-20 heures, je trouve que c'est un peu surévalué. On verra, hein, mais... Après les développeurs ils donnent toujours une vision en mode si t'as galéré sur des trucs, si t'as pris beaucoup de temps sur toi, si je passe 2 heures là-dessus forcément. Évidemment que tu vas mettre plus de temps. Allez. Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, normalement, quand vous regarderez cet épisode du Let's Play, le test complet est déjà sorti. Donc j'ai déjà terminé le jeu au moment où cet épisode sort sur YouTube. Puisque j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première avec PlayStation quelques jours avant la sortie. Et que de toute façon, je réalise tout le Let's Play avant. Puis on est à 68. Ah, il y a des trucs à l'extérieur, hein. Regarde. Voilà, c'est derrière ma caméra, mais... D'ailleurs, parce que ma caméra est un peu haute. Ce que je disais, vu que je change de jeu de temps en temps. On va la mettre là. Allez. Là. Ok, c'est une touche. Sinon, c'est fichu.
qui sont pas difficiles, ceux-là, faut juste faire attention. Ouais. Ne pas être trop greedy sur les pièces. En fait, je pense que vraiment, faut pas se focus sur les pièces. Sur ces niveaux-là, je pense que c'est justement le piège, c'est de se focus sur les pièces. Alors que c'est pas du tout le but de ces niveaux-là. Tiens, regarde. Bon, si t'as l'occasion, tu le fais. C'est bon. Non! C'est pas ça que je voulais faire. J'ai pensé qu'il fallait secouer la manette pour les enlever, c'était le bouton carré. Alors ça, quand tu connais pas, tu peux pas savoir. Pour pouvoir avancer aussi dans la base principale. Allez, c'est parti. Trouille des citrouilles. D'accord. Très bien. C'est noté. Ah, il m'a tiré dessus en même temps. La caméra qui est encore un peu trop haute. Ok. Non. Non. Bah, je l'ai vu venir. Ces niveaux sont... En fait, je vous ai dit, c'est plus... c'est plus fourbe, en fait. Vous savez, un jeu que j'aimerais voir revenir, c'est Knack. Vous savez que moi j'ai beaucoup aimé Knack, hein. Je sais que tout le monde n'a pas apprécié, moi j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé Knack. Ah oui, il y avait des bruits dans la manette évidemment. Ah non, je sais pas, Knack moi j'avais bien aimé. Je sais que c'est pas un truc qui avait plu à tout le monde. Oh punaise, je l'avais pas vu, j'étais focus sur les plateformes. En fait, Knack, je pense que ce qui me plaisait pas mal dans Knack, c'est ce qui me plaît aussi par exemple dans Ratchet & Clank, c'est que vous pouvez tout détruire et récupérer des matériaux dans tous les sens et tout, et c'était assez chouette et tu grandissais en même temps. C'était assez stylé. Et c'était des jeux qui étaient très cool, qui étaient très bien faits. Pas avoir. Ok, on est bon. Parfait. Bon, là on a eu les 4. Par contre, j'ai toujours pas eu la pièce de puzzle du premier monde. Hein. Ni le monde gâché. Ok, 70, c'est fait.
Ce qui me perturbe, c'est ça, là. La pierre... Ah oui, j'ai même... Ah, j'en ai même manqué un. Attends. Vas-y, on y retourne rapido. En fait, il faut que j'arrive à choper la pièce de puzzle dès le départ. Peut-être qu'il faut que je donne une impulsion au moment où il arrive. On va essayer de voir. Non. Ok. Et pourtant, je suis au bout, en fait. Je peux pas aller plus loin avec la manette. C'est ça qui est étonnant. Donc, tu vois, je peux pas aller plus loin que ça. À moins que ça soit avec l'aile. Genre, tu sais, je le fais tourner. Regarde, je fais ça. Écoutez, si je le réessaye, allez, trois fois, si j'arrive pas à l'avoir là, on va pas passer une heure dessus aujourd'hui. J'en reviendrai s'il faut. Peut-être qu'avec une impulsion, tu sais, genre comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut gérer le moment parfait pour donner l'impulsion. En fait, il y a une espèce de décalage qui se crée. Regarde, comme tu fais comme ça, tu vois, il y a une espèce de décalage qui fait que tu vas un peu plus loin que le truc de base. Donc, je vais me mettre là. Attends. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant. Tu vois, alors, autant je suis capable de ne pas rager sur l'espèce de petit monde là qu'on vient de faire, etc. Autant ce genre de truc, ça me fait rager. Ah. On n'a pas tous le même potentiel de rage. Tu vois, genre un Dark Souls, un machin. Un Dark Souls, je suis calme, mais de fou. Par contre, ça là, ce genre de truc, je pète un câble. Je vais essayer de faire tourner. Si je fais ça, peut-être si je tourne l'aile. Peut-être. Attends, je vais essayer pour là. Ah, peut-être que si je tourne l'aile comme ça. Non, ouais, comme ça. Peut-être. Waouh. Voilà. Peut-être que si je tourne l'aile, là, attention. On va voir. Non. Je sais pas du tout. J'ai vraiment du. Vraiment, le gyroscope, c'est un truc que je déteste. Mais à un point, quand il y a des trucs à récupérer au gyroscope. C'est vraiment ma hantise. Oh la vache, je pense que je l'ai fait trop tôt. Je l'ai fait trop tôt. En fait, il faut vraiment que je l'attende. Ma hantise. Ah mais non. Il faut que je fasse un mouvement à droite. Il faut que je fasse clac, hop là. Genre balance, genre boum, bam. Attends, regarde ça. Ouais, ça, c'est ça que je fasse. Genre, mouvement à droite à fond, et après mouvement à gauche. Je vais essayer pour voir. J'attends un peu, là. Ah ! J'arriverai pas. Allez, vous savez quoi, on est à 32 minutes d'épisode, si à 35 j'ai pas réussi. C'est horrible. Pourquoi c'était juste un coup de manette fort, hein. Juste un coup de manette fort, sinon. Juste un, attention. Non mais c'est une blague. On se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule! On se fout de ma gueule! Ça va, Poussina? Ah, mais c'est pas possible! Comment tu veux le choper? Je comprends pas. Je comprends pas. Ah, peut-être avec le boost. Attends, ah oui, j'ai un boost. Attends. Mais en fait, c'est juste ça, putain. C'était juste le boost. J'avais pas capté qu'il y avait un boost dessus. Mais quelle glandouille. Je suis vraiment une glandouille, hein. Punaise. C'est pas du tout un coup de gyroscope. Ça fait 5 minutes que j'essaye pour rien. Qu'est-ce que je peux être un glandu. Attends, par contre où est-ce qu'il est le petit robot là, il a... Qu'est-ce que je peux être un glandu. C'est incroyable. C'est incroyable, m'énerver. Tu vois, en fait, c'est surtout ce genre de truc. C'est que les trucs difficiles, je te les passe. Mais alors, les trucs simples, genre vraiment, je me fais avoir sur des conneries. Et c'est terrifiant. Ah, tiens, y'a quoi ça? Ah, mais attends, j'avais pas vu ça. Oh. Oui, bah, j'ai essayé. Ok. Ah oui, non, faut que j'aille récupérer le singe. Oui, et donc du coup, j'ai la galaxie cachée et. Ah oui, mais alors attends, parce que attends. Je pense que le mieux, ça serait de découvrir la galaxie cachée et d'aller chercher le singe avant.
le dernier, et de revenir en arrière. Parce que sinon, en fait, je trouverais la galaxie cachée, mais il faudrait que je revienne à zéro ici. Ah c'est ça, punaise. C'est juste ce truc là. Ok. Oh, je l'avais pas vu tout à l'heure. Et ouais, bien joué. Ah bah c'est le dernier. C'est celui qui manque. Déjà. Ah ouais. Ok bah très bien. Bon bah écoutez, il n'y a plus que la galaxie cachée. Et on est bon. Ok parfait. Bah ça me va très bien. Ah zut! Bien joué. À vouloir aller trop vite. Ok. Toujours en train de me dire qu'elle peut cacher par là. Je pense que c'était la petite croix là justement qu'on voyait tout à l'heure. Et je me suis fait avoir et je sais pas où elle était. C'est sûr. Je l'ai loupé où? C'est après alors. Attends, peut-être que c'est après. Peut-être, je vois que ça. Zut. Je vois que ça. Genre une fois que je l'ai battu, peut-être. Parce que normalement il devrait me l'indiquer quand même là, non? Il a vibré un moment. Tiens, si, regarde. C'était après. Oh punaise, j'ai pas pensé à regarder par là. Je suis allé directement vers la fin en me disant que c'était. Mais bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Rien à dire, bien joué. Ma faute. Encore une fois, hein. J'ai pas assez regardé. Hein. Oh là là. Oh là là, quel kiff. C'est la planète au trésor. Yeah.
de toute façon le monde j'ai terminé à 100% vu que j'avais trouvé le dernier boss. Ok. Je regarde où on en est par rapport à l'épisode. Ok. C'est quoi, c'est l'univers de Medieval hein? Oh, c'est trop stylé. Incroyable. Incroyable. Wow, wow, wow. Zut. Boum. Incroyable. Oh, c'est quoi ça? J'en ai loupé un derrière. Attends, j'en ai loupé un. Ouais, ça doit être là. C'est pas du tout Medieval. Oula. Oh. Oh yeah. Oh. Attends. Là, ce qu'il me semblait. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a un peu de truc là-bas. Attends. Je sais qu'il y en a encore un. Ah mais je crois que je l'ai battu et je pourrais pas aller gérer. Je crois que c'est de ma faute. À moins que j'en ai encore un derrière là-bas. Ouais, je vais le chercher. On a de la chance qu'il en reste encore. Hein. J'ai eu un peu peur. Parce que la pièce de puzzle, elle doit être en haut à droite. Genre là, à droite. Ah punaise, ça va pas me le compter. Ah punaise, j'aurais dû aller la chercher avant. Ouais. Ouais, ouais. Ma faute, ma faute. On a été trop rapide. Je vais. De toute façon, faut que j'en revienne. Je vais revenir. Ah bah, c'est sûr que si c'est comme ça, 2 heures par monde, oui, je comprends que ça prenne du temps. Hein.
Par contre, je suis assez intrigué. On est déjà à 76 sur 300. Je suis assez intrigué. Parce qu'à mon avis, on sera à 100 à la fin de cet épisode, je pense. Quasiment sûr même. Non, je peux pas aller là. Là, ça s'est fait, c'était la première. Ça s'est fait. Non, mais c'est sûr que c'est celle du fond. Ah, punaise, ça va. Je suis féu, comme dirait l'autre. Il vibre toujours pas. Je peux juste sauter au-dessus là-bas. Est-ce qu'il va le faire quand je vais arriver par là? Ouais, ok. Voilà, ça doit être là. Ouais. Ok. Ok. Parfait. C'était juste ça. Comme quoi. Je crois qu'on a fait qu'un seul niveau en fait dans cet épisode. On est à 50 minutes, on a fait qu'un seul niveau. Je me demande si je vais pas découper un peu. Parce que le premier épisode a fait 2 heures, ce qui est beaucoup. Chaque épisode faisant 1 heure, c'est bien pour un épisode. Ça serait genre, tu vois, genre Alex Tentaculaire, partie 1, partie 2, etc. C'est là j'ai terminé. On va faire ça. Mini Mélimélo. Je pense qu'on découpera. On découpera les galaxies là en deux. Pour faire des épisodes d'1 heure. Pas être trop long non plus. 2 heures, c'est un peu long. J'avais fait ça pour le premier épisode parce que c'était la découverte. Hein. Mais c'est un poil long. Je crois que j'y gagne. Ah! C'est quoi ça? Oh, mais incroyable! Incroyable! Oh, mais c'est incroyable! Oh là là! Mais ce jeu est une dinguerie! C'est une merveille. Et je me dis, ils sont capables d'avoir caché des petits trous dans les pots ou un truc. Oh là là. Voilà, par contre, les trucs cachés, ça va être monstrueux dans ce cul-là. Mais regarde ça. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
Ah oui, attends. Est-ce que je peux faire ça? Et ça fonctionne avec la taille. Vraiment, c'est un gros kiff ce jeu. C'est quoi ça? Ah! Peut-être qu'il y aura un succès quand on les aura tous trouvés. Oh, il y a un truc en dessous, s'il te plaît. Mais c'est une dinguerie. Et encore, je pense que le terme dinguerie, il est faible par rapport à ce que c'est. Quelle merveille. Ah, tu t'y attendais pas celui-là, hein? Il n'y aurait pas un truc dans le pot de fleurs. Non, je crois pas. Attends, tu sais quoi, je vais quand même y aller. J'ai pas confiance. Je me dis, j'ai dit, quand ils peuvent te cacher des trucs quelque part, autant y aller. C'est drôle, tu peux allumer des veilleuses et tout. Ah oui, d'accord, fallait que je le pète à l'intérieur. Oh là là! Mais c'est beaucoup trop stylé! Non mais attendez, mais c'est incroyable! C'est tellement bien pensé!
contre une gaffe de pièces hein, dans ce niveau-là. Ah non, mais vraiment... On a une galaxie cachée à trouver dans celui-là. Ouais, il y a aussi une galaxie cachée, faudra qu'on fasse attention. Là, je peux voir passer là-dessous aussi, maintenant. Ouais, regarde. Ouais, pas deux fois. Hein. C'est, le jeu te dit pas deux fois. Une fois, ça fonctionne, l'autre fois, non. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah, c'est pour revenir en arrière si jamais. Cool, c'est bien pensé aussi. Regarde un peu, j'ai pas oublié quelque chose en bas. Genre là-dedans là. Moi je vérifie tout. Tu vois ce truc là? Ça. Ça. Honnêtement, je pense meilleur jeu de plateforme que j'ai fait depuis un sacré bout de temps. Genre indéniablement. Il vaut largement son prix et son temps de développement. Et c'est... C'est vraiment impressionnant. Attends. Je pense que je peux sauter et le récupérer une fois là-haut. Tu vois, genre je fais ça. Merde. Ah non, peut-être pas. Non, trop. Comment je vais réussir à le choper? Non, non, non. Ah, peut-être juste comme ça en fait. Comme ça. Ouais, peut-être que juste comme ça je peux le jouer. Non. Non, je suis retombé. Non. Oh, crotte. Ah, faut faire attention quand même à ça. Ok. Bon. Ça va, ça va vite. C'était où? C'était à droite là. C'était là. Ouais, je pense qu'à la fin de ce niveau, on
on arrêtera l'épisode et on en fera un autre après, évidemment, pour terminer la galaxie. Mais il sortira demain. Un épisode par jour d'Astrobot. Ah, je peux peut-être monter sur l'aiguille. Attendez, je peux monter sur l'aiguille. À tous les coups, je peux grimper sur l'aiguille. Bah oui, évidemment, évidemment. Évidemment qu'il faut monter sur l'aiguille. Allez. Allez, viens. Évidemment. Évidemment. Logique. Voilà. On est bon. Et Fox, attends. Il me manque un bot. Non! Mais oui, mais à tous les coups, c'était la plateforme juste en dessous. Celle qui était à gauche, en fait, à droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est t'as envie de suivre un chemin. Oh, attends, je le refais, je vais te prendre un. T'as envie de suivre un chemin en te disant c'est le chemin secondaire. Et en fait, non, c'est pas du tout le chemin secondaire, c'est le chemin principal. Bon, je vais. J'y retourne rapido. 76, 82. Ah non, on sera à 83. On sera à crack, hein. C'est quoi ça? Ouais, attends, je deux petites secondes. On a la galaxie cachée et le bot. Ok. Bah, je propose que pour terminer l'épisode, on trouve le bot et la galaxie cachée et on fasse la galaxie cachée. Comme ça, au moins, on fait tout. On fait tout d'une traite. Hein. Comme ça, on a vraiment terminé cet épisode. Voilà. Allez. En avant. Est-ce que, vu que j'ai refait le niveau, il y a déjà les trucs pour aller plus vite? Ça serait intelligent. Ça serait intelligent que le jeu ait déjà enregistré que j'ai déjà fait cette partie et qu'il m'ait déjà mis les oiseaux là. Je suis pas sûr. J'ai pas l'impression. Non, il me les a pas remis. Non. Bon, c'est pas grave. On va faire ça rapido. Hop. Ah tiens, par contre, deux petites questions. Une petite seconde. Est-ce que je peux réavoir les pièces ici? Genre toutes celles qui étaient en bas. Ah ouais. Non mais je t'ai dit, tu peux farmer les pièces dans ce niveau là, c'est incroyable. Ah ouais. Moi je suis preneur, hein. Ça va nous permettre de débloquer le 100% derrière. Et surtout, on n'oublie pas le turbo du vaisseau. Je pense que ça sera le fin mot de cette histoire. De cet épisode, vraiment. Tellement. Bon, pour l'instant,
Et toujours pas la galaxie cachée ni rien. Ok. On continue. Ok, je suis revenu là, c'est rapide. Attends. Mais à tous les coups, c'était à gauche de toute manière, quasiment sûr. C'est quasiment sûr que c'était là à gauche. Gros comme une maison. Bah oui, évidemment que c'est là-haut, bien sûr. Ça, je le savais. Mais je pensais que c'était. Je pensais que c'était le. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est avec les bulles. C'est mignon. Mignon. Mignon, mignon, mignon. Ok. Et c'est encore plus haut apparemment. La galaxie cachée, elle est aussi là. C'est bien, on aura fait les deux en même temps. C'est très bien. Écoute, moi ça me va très bien. Oh, c'est tellement mignon. Alors, attends. Ouais. Mais ouais, il fallait que je me laisse vraiment porter. Allez là. Ok. J'ai tout trouvé, hein. Ouais, c'est bon. Bah écoutez. Et en fait, je trouve ça bien parce que c'est pas frustrant. T'as vraiment ce côté où. T'as pas tout trouvé, c'est pas grave. Le jeu va quand même te donner de quoi le trouver. C'est réconfortant, il y a vraiment, vraiment ce côté réconfortant hein, qui fait du bien dans le jeu. Allez, galaxie secrète. Ah, cool. Racine pique. Ah oui, il y a pas mal. Hein. Ok, il y a pas mal, dis donc. On va être à quoi? On va être à 90 bots là? Oh, j'adore ça. Attends. Je sais pas si vous y avez joué, mais si vous aimez Pokémon par exemple, vous avez Pokémon comment il s'appelle Pixel. Non, c'est bref, c'est un Pokémon en cubique qui est super sympa, qui est dispo sur mobile gratuitement d'ailleurs, qui est dispo sur Switch aussi gratos. Je sais plus comment il s'appelle. Pokémon Quest, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle Pokémon Quest, c'est très très sympa et il y a ce côté très cubique dedans que j'aime beaucoup. Et moi je trouve ça très sympa. Mascotte obsolète. Je sais pas du tout qui c'est là, tu vois, par exemple. Ah mais tiens, faut pas que j'oublie ça. Je reste persuadé. Qui a un succès avec ça. Ah tiens. Vous avez pas vu ça. Ah bien joué. Tu vas voir. Oula. Oh je me suis fait crabouiller. Écrabouillé, ça fait vraiment ça. C'est ce qu'on disait quand on était gosse, quoi. Ah zut, écrabouillé, trop mignon. Mais de toute façon, c'est vraiment un jeu pour les âmes d'enfants, quoi. Ça fonctionne tellement bien. Puis avec la DualSense qui arrête pas de vibrer dans tous les sens. Aïe. Par contre c'est une vie quoi, c'est t'as pas plus hein. Oh en fait il te chope. T'as une petite frame où il t'attrape. Bon je vais passer là, ça sert à rien. Ça sert à rien de
choper lui. Ah oui, il est là-bas. Alors comment je vais aller la récupérer lui? Comment je peux aller la récupérer? Peut-être en sautant de plus haut. Ah zut. Ah, il va falloir par la même chose du coup. Ah oui, il y a un truc caché aussi derrière. Ah punaise, ils sont chauds à voir. Je crois que les pièces en fait tu reprends au checkpoint, donc tu peux pas les emmagasiner comme ça. Ah j'étais à 978 donc c'est ça. Ah mais je fais la même chose, mais c'est fou. Vous connaissez la définition de la folie? Selon Einstein, la définition de la folie c'est refaire plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Bah là c'était un peu être fou que de recommencer la même chose. Non mais attends, là par contre non, j'ai essayé quelque chose de différent. Attends, mourir autant de fois là-dessus, c'est pas possible. Voilà, merci. Non mais oh. Par contre... Attends. Ah, c'est peut-être avec ça. Ouais, c'est avec ça. Ok, super. Et là... Ok. Et je vais aller me chercher là-bas. Oh, je l'ai eu? Il est où? Ah. Là c'était 5, on sera à 89, 79, à combien on était de bots? Je sais plus. Quel plaisir. Ouh. Oh, je pensais passer. En fait, il fait juste que je ne bouge pas. C'était juste ça, finalement. Allez, je ne bouge pas. Voilà. Ah, punaise, attends. Voilà. Boum. Ah, attends. Le dernier moment, je l'ai vu. Et il va m'en rester un bot. Oh. Wow. Là. Et c'est le 100%. Oh, je l'ai fait trop tard. On craque des pièces là, c'est dommage. Ah, attends, est-ce qu'on se terminerait pas l'épisode en allant voir. Attends, j'en ai combien là? On va être à 88. On va être à 88. Bon, on fera ça au prochain. Parce qu'en fait, il en faut 100 pour débloquer le nouvel accès dans la base principale, donc ça sert pas à grand chose. Quoique. On regarde ou pas? Vas-y, avant de terminer l'épisode, on regarde. Parce qu'avec toutes les pièces de puzzle que j'ai trouvées, peut-être que ça va déverrouiller un truc. Hein. À 8. J'étais à combien? Ah mais j'étais à 83. Ouais, ça c'est fait. Ça doit être un autre... C'est un autre magasin. Pink My Spider. Ah cool! Le garage de Dual Spider. Enfin, incroyable, pour finir pour relooker votre Dual Spider. Excellent. Je vais aller voir. Enfin, je vais aller voir. Je vais voir. Oh, stylé. Ah ouais. Ah non, et en or elle est stylée, regarde ça. Oh là là. Ah je prends.
Du coup, elle va apparaître en or maintenant, là. Eh oui, regarde ça. Elle est belle comme ça. Elle est quand même belle. Hein. Oui. Alors attends, ce que je vais faire, c'est qu'on va juste aller récupérer quelques trucs, tant qu'à faire, avec les pièces. On est là, autant en profiter, hein. Allez hop. Ah, putain, j'ai vu un truc, une canette qui est tombée. Ah, il y en a beaucoup, hein. Va falloir beaucoup de pièces, à mon avis. Hein. Ah oui, c'est là où on débloque des... comment ça s'appelle, hein. Des éléments de personnalisation. Attends, est-ce que je débloque des bottes aussi dedans? Non, je crois que c'est juste des éléments de décor. Hein. Ouais, ça doit être que ça. Parce qu'il me semble en avoir débloqué un. Oh, incroyable. Ah, ouais, alors, du coup, ouais, de temps en temps, tu chopes une merde là. Hein. Ah, ça les habille. Hein. Ok. Bon bah écoutez. Retournons ici. Et bah ça sera pour le prochain épisode. On terminera. Alors, est-ce qu'on aura le temps de terminer dans le prochain épisode la Alex Tentaculaire? Je suis pas sûr parce qu'en fait j'ai l'impression que les épisodes sont de plus en plus longs. En fait, on a fait que deux mondes dans celui-là. Il nous reste 1, 2, 3 et à mon avis même un peu plus parce qu'il y a des trucs un peu cachés partout. Mais en tout cas, voilà, qui termine cet épisode 2 et qui était ma foi super cool et encore super long. Et j'espère que vous kiffez l'aventure.